Merci beaucoup Thomas. Et oui, c'est moi qui prends en charge le prix Goncourt Jean, avant la suite des midi Et le lauréat du prix Goncourt 2023 est Jean-Baptiste Andréa. On vient de l'apprendre en direct du restaurant Drouan. Benoît Grossin de la rédaction de France Culture, bonjour. Bonjour Géraldine, bonjour à toutes et à tous. Alors Jean-Baptiste Andrea récompensé pour son quatrième roman, Veillez sur elle. Et oui, l'annonce vient d'être faite par un des membres de l'Académie Goncourt, l'écrivaine Camille Attends, Laurence, comme le veut la tradition, depuis les marches de l'escalier du restaurant Drouan. Le 121e prix Goncourt a été attribué au 14e tour, la voix du président comptant en double, à Jean-Baptiste Andrea pour veiller sur elle aux éditions de l'iconoclaste. À 52 ans, Jean-Baptiste Andrea obtient le plus prestigieux des prix littéraires français pour ce roman de quelques 600 pages, Veillé sur elle fresque historique qui se joue dans l'Italie fasciste du début du XXe siècle. Au début du livre, un vieil homme meurt dans une abbaye entourée par des moines. Lui n'en est pas un. Il s'appelle Mimo et dans un dernier souffle essaye de raconter son histoire. Cette même abbaye héberge le secret qui constitue la pierre de taille de ce roman, celui d'une Pieta, statue de Vierge tenant le Christ mort, tellement troublante que l'Église a décidé de l'enfermer dans les sous-sols d'un monastère. Que dit cette œuvre de Mimo, son sculpteur, un artiste de génie, arraché de la boue dans laquelle il était né que dit-elle de son lien difficile mais indéfectible avec Viola, l'héritière d'une riche famille génoise, étouffée par sa condition de femme Ils sont jumeaux cosmiques, décrète Viola peu de temps après leur première rencontre dans un cimetière. Ils ont 15 ans à la fin de ces années 1910 et une urgence de vivre leurs rêves. Mais à l'heure de la montée du fascisme dans le pays, leurs destinées se séparent. Tandis que Viola est prise de liberté et de connaissance et rappelée à ses obligations de femme par cette époque misogyne, Mimo est envoyé à Florence dans un nouvel atelier et après bien des déboires, devient un géant de la sculpture. Il est courtisé par l'Église et par les proches de Mussolini. La politique abîme le lien des deux amis durant tout le roman. Jusqu'à sa résolution magistrale, leur amitié est faite d'éloignement et de retrouvailles à Pietra d'Alba, ville à la pierre rose, taillée dans la lumière du levant sur son piton rocheux. Avec Veillée sur elle, Jean-Baptiste Andrea s'inscrit dans une longue tradition des fresques à l'italienne qui décrivent, à travers des destins individuels, les grandes transformations politiques et sociales de l'Italie du XXe siècle. Veillée sur elle est un texte important dans un contexte de retour de l'extrême droite en Italie veiller sur elle est donc le quatrième roman de jean baptiste andrea un auteur benoît qui vient de l'univers du cinéma. Oui, et c'est une dimension que l'on retrouve dans son écriture très imagée. Jean-Baptiste Andréa s'est d'abord lancé dans le 7 art en tant que scénariste et réalisateur. On lui doit des films comme La Confrérie des larmes, qu'il a tourné en 2013 et qui relate les tribulations d'un ancien flic désargenté. Ou plus récemment King, sorti en 2022, réalisé par David Moreau sur une idée originale de l'écrivain et qui met en scène un lionceau échappé d'un trafic d'animaux. Côté roman, son premier texte, Marraine. L'histoire d'une amitié, tout comme Veiller sur elle, avait reçu le prix du premier roman et le féminat des lycéens. Son deuxième opus, 100 millions d'années et un jour également une ode à la liberté, se déroule entre la France et l'Italie. En 2021, enfin, Des diables et des saints, remarqués par la critique, retracent l'histoire tragique d'un vieux pianiste. Jean-Baptiste Andrea évoque beaucoup les origines italiennes par sa mère et sa grand-mère dont il a été coupé dès l'enfance. Veiller sur elle est aussi pour lui un moyen d'explorer de... ses racines. Ajoutons enfin que l'Iconoclaste, maison d'édition créée en 1997, remporte avec Veillé sur elle son premier concours et que le roman de Jean-Baptiste Andrea, qui était finaliste également du Femina, est encore en lice pour le prix interallié qui sera décerné le 22 novembre. Merci beaucoup Benoît Grossin pour cette annonce et j'en profite aussi pour annoncer pour ma part que le prix Renaudot a été remis à Anne Scott pour les insolents publié chez Calman. Lévi. Et maintenant, c'est l'heure des midis de culture, c'est l'heure de la rencontre. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invitée est réalisatrice, mais pas n'importe quelle réalisatrice, une réalisatrice culte. De celles dont on dit il faut absolument que tu vois ces films, tu vas voir c'est incroyable de celles dont on a peut-être aussi vu les films dont on connaît le nom sans forcément avoir fait le lien sans avoir forcément compris qu'il s'agissait d'une seule et même œuvre de celle dont on dit qu'elle est une pionnière et qui depuis quarante ans a construit une filmographie qui se tient d'un bloc qui ne faillit pas de celle qui a droit à une rétrospective sa toute première en France, comme c'est le cas à partir de demain au centre Georges Pompidou bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midi de Culture. Merci. Alors, une dizaine de films, des fictions, des documentaires, une rétrospective, pas mal de prix aussi, de reconnaissance. Quand vous regardez votre parcours, vous vous dites quoi <laughs> Moi, je ne le regarde pas, <laughs> ce parcours. Vous regardez pas en arrière Non, non mais c'est-à-dire que j'essaye, je me dis, bon, mais next, next, au prochain. Oui, vous n'êtes pas tourné vers le passé, quoi Pas du tout. Non, non, non. Mais le problème, c'est qu'une rétrospective, de fait, on est dans le rétro. On est, dans, on est obligé, à un moment donné, de se dire qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans Qu'est-ce que j'ai fait euh, Quelle place je me suis faite Qu'est-ce que j'ai encore à faire Eh bien, pour, pour, pour être honnête, je vous dirais que lorsque j'ai eu ce, cet Oscar d'honneur, eh bien. Euh... Vous avez reçu en 2022. Hein c'est ça, en un 2022. Voilà. C'est le, le seul moment où j'ai été très, très émue parce que je me suis dit, mais un, un Oscar d'honneur. Et puis, j'ai vu défiler devant mes yeux les films que j'ai faits, les combats que j'ai menés. Euh, voilà. Et puis, les prix que, que chacun de mes films euh, a obtenus. Hein. Euh, et, et c'est vrai que c'était un moment de, de, de grande émotion. Mais ça a été le seul moment de, de ma vie d'émotion d'émotion de ce type par rapport ouais. à mon travail, euh, par rapport à à mon à mon passé, si vous voulez. Mmh. Voilà, parce que je suis des, vraiment tournée totalement tournée vers le vers l'avenir. Peut-être parce que je mène une course contre la montre en permanence depuis que je suis toute jeune d'ailleurs. Pourquoi une course contre la montre Mais oui, parce que je suis consciente que, que la vie va très vite, elle ne nous attend pas. Et que je dis souvent à, à, à certaines personnes, je leur dis, mais faites très attention à votre comportement, à la façon dont vous, vous agissez avec les autres, parce que la vie ne nous est pas donnée, elle nous est prêtée. Et donc ça va vite, très très vite. Et on ne sait pas à quel moment ça peut s'arrêter, ni comment. Alors moi, j'essaie d'aller de, de, vers l'avant, de, de penser à l'avenir, de me battre pour essayer d'avancer. Et surtout, ce n'est pas toujours facile. Quoi. Ce mm. Ça n'a pas été en tout cas facile pour moi. Voilà. D'où l'importance de, de cet Oscar d'honneur, plus que d'une rétrospective qui est quand même la toute première en France. Pour découvrir vos films, on va en parler. Hein. Rucaze Nègre, Une Saison Blanche et Sèche, Siméon, des documentaires oui, donc ça, voyez, ça illustre ce que je viens de dire. C'est la raison mmh. pour laquelle j'ai décidé de ne plus me poser de questions et d'avancer. Et de foncer, quoi. De foncer, parce que je me dis, je, je ne crée pas pour, pour être reconnu, pour être ni pour la gloire, ni pour l'argent. Euh, je crée parce qu'il faut créer, il faut, laisser, il faut communiquer, il faut transmettre. Donc il y a une sorte d'urgence pour vous. Il y a, une totalement. nécessité même. Totalement. Et bien, on va écouter tout de suite votre, un extrait pas le film en entier. Un extrait de votre tout premier film qui a 40 ans aujourd'hui. Hey, un morceau Et un œuf de poule Gazea. Ah ouais, Osez Osez mmh. C'est bon, hein On la mange Ouais, on va la cuire Ouais, on va la manger Ouais J'aurais la pu commencer, hein. Oui, mais il faut des allumettes. Il n'y a pas d'allumettes, hein. Je sais où il y en a à la boutique. Mais il faut quelqu'un qui n'a pas peur pour aller en chercher. Mais on n'a pas d'argent. On a qu'à dire que c'est notre maman qui nous aura chercher une boîte à crédit. Moi, je ne veux pas. Victorine, vas-y. Oui, Victorine. Ah ah. Tu sais que t'as intérêt à souffrir les garçons, mais tu ne sais pas aller à la boutique. Tu es hein? Vas-y, Aurélie. Si tu ne vas pas, tu n'auras même pas de tes usines comme ça que ça sera cuit. Je ne sais pas si une bouteille pour moi. Qu'est-ce que tu fais avec la bouteille, Oélie Mais dis-moi Qu'est-ce que tu fais avec la bouteille, Oélie Mais dis-moi Je suis sûre que tu vas faire une bêtise et puis papa va nous donner des coups ce soir. Dis-moi Rue Cazenègre, 1983, votre premier film, Eusanne Palsy. Et vous m'avez dit, pendant qu'on l'écoutait, cet extrait avec l'œuf est extrêmement important. Pourquoi <laughs> Oui, parce que vous imaginez, euh, ça m'a fait rigoler les gamins d'aujourd'hui, un œuf pour ses enfants, c'est une malle ils n'ont jamais ils n'ont jamais goûté. À ces... Et c'est un trésor est, quand est un ils un les découvrent. C'est parce que mmh. en fait, les, ces pauvres gens qui avaient des poules, rassemblaient les œufs pour pouvoir vendre au blanc créole, à la boutique du blanc créole, qu'on appelle béquet, euh, euh, les œufs, c'était destiné au, au maître, et pas, pas, pas à assez pauvres donc ces enfants voyaient passer les œufs mais ils n'en avaient jamais goûté alors c'est extraordinaire un œuf mais c'est miraculeux quoi et là ils veulent ils veulent savoir ça, ça, ça a... quel goût ça a donc, et ils, ils savent pas comment cuire cet œuf et c'est assez marrant la scène parce que ils vont prendre un grand canari mettre de l'eau un piment qui oui. flotte sur cette oui. eau plonger l'œuf etc essayer de plonger l'œuf pour pouvoir le cuire mais pour le cuire il faut des allumettes voilà. Et là, tout s'enchaîne. Assez... Effectivement, il faut voir ou revoir votre premier film, Zanpalsi, rue Cazenègre, qui est adapté du roman autobiographique de Joseph Zobel, euh, que vous avez lu pour la première fois à l'âge de 12 ans et qui raconte, pendant l'entre-deux-guerres, l'histoire de José, hein, qu'on qu a entendu avec sa bande de copains, c'est au début de l'été, euh, et qui vit avec sa grand-mère et qui, grâce à elle, est son instituteur l'année d'après parce qu'on suit Joseph euh, va s'émanciper donc c'est à la fois grâce à l'école euh, grâce à sa grand-mère grâce à l'amour de ses proches il va s'émanciper et il va passer de rivière salée là où il habite une campagne pauvre avec des gens qui sont complètement soumis euh, à fort de France où là il va pouvoir aller à une école et donc peut-être euh, atteindre euh, voilà les diplômes euh, la reconnaissance pourquoi un tel choc quand vous l'avez tenu entre vos mains, quand vous avez lu ce livre entre vos mains, Eusen Palsy, rue Kaznek » de Joseph Zobel Eh bien, euh, est, ça a été, je dirais, c'est un choc, ça a été, comme je dis souvent, une sorte de d'explosion de, volcanique, culturelle, parce que c'était la première fois que j'avais hum. entre les mains un livre qui parlait de nous, des Noirs, de nous, des. Et, et aux Antilles. Plus, et aux Antilles, mm. c'est ça. Donc, euh, en général, tout ce, à l'école, le, tous, les, tous les livres venaient de France. On nous parlait de, 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 des châteaux, des, des régions minières. Mm. Euh, voilà, mais. mais euh, et ça vous parlait Des fruits également. Ouais. Tous les fruits, c'était les pommes. De, on disait les pommes de France, les raisins, mm. etc. Alors que. Nous sommes nés dans, quand même dans, une, dans un pays, mais qui est tellement riche en fruits divers et succulents. Et ça, ça, ça ne comptait pas. Tout venait de France. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre, ce n'est pas à l'école que vous l'avez découvert, c'est votre mère qui vous l'a offert. Tout à fait, parce que ma mère... enfin <laughs> Bon, J'étais une enfant un petit peu dissipée, paraît-il. Je questionnais ah trop bon souvent les adultes. <laughs> C'est-à-dire, par exemple, quel genre de questions vous vouliez en savoir plus sur le sens de la vie Sur. Euh... sur... Mais surtout je voulais quelque chose, je voulais savoir pourquoi c'est comme ça, comment mmh. on fait ça, etc. Et ma mère me disait "Écoute, tu poses trop de questions. Je, je, surtout, la pauvre, elle n'avait pas forcément les réponses, les bonnes mmh. réponses. Alors, quand je posais une question, si on me répondait ou si on me disait non à quelque chose, ben, bah, écoutez, euh, si on me disait oui, c'était formidable. Mais si on me disait non, je continuais à, à, à questionner. Du... Plus... Et c'est ainsi qu'on m'a surnommée Mademoiselle Pourquoi. Ça a été mon... <laughs> mon surnom pendant des années, Miss Pourquoi. Voilà." Et ça, ça vous reste euh, oui, ah, quel, oui, quelle mais... question Quelle question vous vous posez en ce moment et, et, et dont vous ne parvenez pas à avoir la réponse et ça vous pousse peut-être même aussi à, à, à savoir mais en fait à prendre votre caméra comme ça c'est aussi passé en fait parce que très tôt vous avez eu cette vocation de cinéaste Quelle question hum. Mais écoutez, franchement j'aimerais bien prendre ma caméra et puis aller aller questionner ces gens qui font la guerre, ces présidents, ces hommes, mmh. justement, qui sèment l'horreur dans le monde, les déchirements euh, entre les peuples, etc. J'aimerais vraiment leur demander, pourquoi faites-vous cela ah, Ce serait plus un documentaire, alors. Peu importe. Moi, le documentaire, moi, j'adore. Vous ne faites pas distinction coup... de ce genre ah, là. Pas du tout, non, non. Moi, c'est des coups de cœur. Là, j'ai consacré donc, deux documentaires, un, un document, une trilogie à Aimé Césaire, parce que c'est un homme, mmh. euh, c'était mon père spirituel, quelqu'un que, qui m'a tellement apporté, qui, qui a apporté au monde, qui a enrichi le monde, d'ailleurs, de par ses écrits, ses pensées, etc., qui nous a permis d'avancer, euh, nous autres Antillais et, et Africains. Euh, donc, euh, mais c'est un coup de cœur, il fallait que je le fasse. Et puis, les dissidents aussi, par exemple, tous ces gens qui sont partis faire la guerre pour sauver la France, ces hommes, ces femmes, et beaucoup sont morts, beaucoup sont revenus mutilés. Et puis après, tous ceux qui sont revenus, eh ben, ils ont été complètement oubliés, occultés. Donc ça, il fallait que je prenne ma caméra et que je fasse un documentaire, que je leur donne la parole. C'est ce qui me plaît dans le documentaire. La fiction, vous pouvez adapter une œuvre, mm. comme je fais, j'adapte un roman, par exemple. Donc, oui, comme avec Rukasneg ou une saison le, blanche mais et C'est autobiographique. Mm. Euh, Rukasneg n'est pas une histoire comme ça. c'est un roman fiction. autobiographique. Mm. Le livre d'André Brink. Bon, c'est un roman, mais qui parle de la réalité. Justement. Une saison blanche et sèche. Voilà, sur l'apartheid. Mmh. Euh, Il faut là, que ça ait euh... un lien avec le réel. Tout à fait. Et le documentaire, c'est vous donner la parole aux, aux, aux auteurs, aux, aux acteurs de, de, de ces choses. Et ben justement, c'est intéressant, anne Balsi, parce qu'on a une archive d'Alfred Hitchcock qui parle justement de ce rapport entre documentaire et cinéma. to me, uh, moi, plausibility for the sake of the for the doesn't help, you know. À, n est, n est rien. Oui. it's a waste of time, and not only that. Uh, you know, if you want to analyze everything in terms of plausibility, si vous voulez tout analyser en termes de plausibilité, then you end up doing a documentary. Vous finissez par faire un documentaire. It's like asking me to be comme si vous me a, a representative painter. Un peintre There's a great difference between the creative making entre la création. Uh, of, we'll say, a motion picture Et as against the documentary. Film. Par contraste à un documentaire, in the le documentaire God has the basic Dieu a créé you. le matériel de base, fondamental. But you, in the Mais vous, alors, area, dans la de fiction, devez créer la vie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette archive de Hitchcock en 62 par François Truffaut Et on va en reparler de François Truffaut parce qu'il est important pour vous aussi, Eugène Palsy. C'est vrai. Ce qu'il dit est très juste parce que euh, quand on fait de la fiction, on crée. On, on parle d'éléments mmh. comme ça ou de quelquefois d'une idée et puis on, on va créer, on va écrire une histoire. Euh, tandis que le documentaire, c'est un petit peu ce que quelqu'un comme Jean-Rouge appelait le cinéma vérité. Ça veut dire qu'on donne la parole, on n'invente pas. Et, euh, et c'est ça la différence. Personnellement, lorsque j'en vis... Lorsque je, je m'attaque, par exemple, je vais m'attaquer. Bon, je m'attelle à cette tâche de raconter une histoire comme la, sur l'apartheid, par exemple. Bien, mmh, mmh. il y, y a un roman qui existe. Il y a des choses. On est obligé quand on, quand on fait de la fiction de quelquefois, on est forcé de, de prendre ce qu'on appelle des petites libertés. Voilà. Ou même il y en a qui prennent totalement <laughs> beaucoup de libertés. Alors moi, je dis qu'on n'a pas le droit de trahir l'histoire, voilà, de falsifier oui. l'histoire. Donc j'évite. Si c'est une histoire vraie. Eh bien, je vais prendre, j'ai je, je besoin de, de choses, d'éléments pour raconter cette histoire, mais je fais très attention à ne pas trahir, ne pas falsifier, réécrire le cœur même des choses, l'histoire elle-même. Parce que c'est ça qui va rester. De nouvelles générations vont regarder ça et croire si vous avez tout falsifié. Bon, ils, vont dire, ils vont prendre ça, pour, comme on dit, pour de l'argent comptant. Ah, mais c'est ça Parce qu'il si, mmh. y a un film là-dessus. Hein, combien de fois j'ai entendu ça Le cinéma, c'est quelquefois ces paroles d'évangile, pour certains. Donc, vous avez une responsabilité. Tout, mais ce que je, eh voilà, c'est ce que je dis souvent. Nous, cinéastes, mmh. nous avons cette responsabilité-là. Et nous devons faire très attention. Et très peu de cinéastes, de collègues, il y en a qui s'en morts, qui disent « Non, mais je raconte mon histoire, je falsifie. » Et alors, qui le saura, etc.? Et ça, vous ne supportez pas. Ah non, je Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, je, je, je sais que quel que soit le film que j'ai réalisé, que ce soit Une Saison Blanche, qui que ce soit The Killing Yard, mm -hmm. l'histoire mm -hmm. d'Atika, mm -hmm. euh, euh, de la prison. C'était en 2000 ans. Mm -hmm. voilà. Que ce soit Ruby Bridges, eh bien, les gens, ils vont au cinéma, ils voient un film, il y a toutes, toutes les émotions possibles dans ces films, mais basés sur... C'est tiré d'histoire réelle. Et puis bien sûr, au tout, vous ajoutez des choses, mais bon, pour pouvoir raconter cette histoire. Mais le cœur même est, est vrai, et c'est ce qui compte pour moi. Je ne peux pas trahir l'histoire. Ça, c'est du point de vue du, du contenu, je dirais. Ce n'est pas un très joli mot, c'est du point de vue de la, de la véracité, enfin de la, de la vérité. Mais pourquoi, Eusanne Pelsi, avoir choisi la caméra parce que on a parlé de, de Joseph Zobel avec Nègre, c'est votre premier film, vous l'avez adapté en, en film. Il y a eu après une saison blanche et sèche d'André Brick, adapté du roman d'André Brick. Pourquoi vous, vous avez choisi la caméra pour raconter plutôt que euh, l'écriture, par exemple, ou euh, comme vous dites, Joseph Zobel, je l'ai eu entre les mains, j'avais jamais lu ça. Pourquoi vous n'êtes pas dit, je vais écrire ça? Parce que je savais que je pouvais écrire également, et je l'ai fait. D'ailleurs, mmh. mes scénarios, je, je signe mes scénarios pour oui. la plupart. Oui, vrai. Bon, ça, c'est une chose. Et, mais j'ai compris très, très tôt la force de l'image. Mais vraiment, je lui dis que quand vous voyez un film, on, bon, beaucoup de gens le savent quand même, surtout dans les pays totalitaires, eh bien, les premières personnes qu'on met en prison, ce sont les cinéastes, ceux qui, sont, qui font les films. Voilà. Et. Je dis souvent que, avec ma caméra, j'essaye très très humblement, j'essaye de réparer, voilà, de réparer les les blessures mmh. laissées créées par l'histoire. J'essaye parce que bon, y a une blessure, il y a une cicatrice, elle est indélébile, voilà. Mais j'essaye avec cela d'expliquer un peu les choses et de permettre aux gens de de s'expliquer, de se retrouver ou de réparer aussi. La force de l'image, quand j'étais gamine, que je voyais des films, parce que je dévorais, j'aimais beaucoup, beaucoup le cinéma. Donc vous le avez cinéma tout de suite souvent. su que c'était la puissance de l'image qui allait... Oui, totalement. Et, et, Mais moi, je regardez. veux raconter, moi, ça, parce que ça me fascine de, de, de dire que maintenant, le cinéma est devenu un médium extrêmement accessible euh, à travers des plateformes, à travers même de courtes vidéos. Mais... Vous, quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit, c'est ce médium-là qui me permettra de dire ce que je veux dire. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé selon ce vous Ce qui s'est passé, c'est que j'aimais au... beaucoup le cinéma euh, par... Et parce que je voyais des choses. J'étais fascinée déjà non. quand j'entrais dans une salle de cinéma euh, à l'époque. Hein, vous arriviez, c'était tout un cérémonial. Vous avez l'écran, qui... le, le rideau qui s'ouvre. L'écran qui s'illumine, comme ça, le, bon, la salle est plongée dans le, dans le noir, et vous avez donc l'écran qui s'illumine, et puis c'est l'action, ça bouge. Je trouvais ça fascinant. Et j'ai su qu'il fallait que je, fasse, que, que je fasse partie de, de ce monde-là, pour une raison, parce que je ne supportais pas, je ne comprenais pas la raison pour laquelle nous, nous les noirs, nous brillons par notre absence. On était exclus. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à accepter que cet art que j'aimais tant me, nous ex, me blessait tant simplement parce qu'il nous excluait. Ou les rares fois où nous étions à l'écran, c'était toujours dans un noir comme ça, et c'était toujours dans des rôles tellement dégradants, tellement minables. Mais c'est horrible, et ça me faisait souffrir. Je disais mais c'est pas possible, c'est pourquoi, pourquoi, mais. On, voilà. Très jeune, je questionnais. C'est pour ça qu'on me disait que je posais trop de questions, parce que les gens, ma mère me disait "Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne sais pas. Je, ce n'est pas moi qui fais des films, hein, parce qu'elle n'avait pas non plus la réponse. Voilà. Et, euh, et j'ai compris aussi. Et quand, quand on réfléchit au racisme, par exemple, le cinéma a contribué énormément. Je dirais même Hollywood a contribué énormément à la haine de l'homme noir. Je dis homme noir, ça veut dire avec un grand H, homme et femme, enfants et tout. En, div en divulguant à travers le monde, pas seulement des Noirs, mais des Indiens aussi, des Native Americans, des images mais tellement monstrueuses de, des Noirs et des, 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 des Indiens d'Amérique que ça, ça nous colle encore à la peau. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de mal, justement, avec ces films-là. Voilà. Donc, et en France, on a suivi un petit peu les mêmes choses, pas avec autant d'intensité, mais bon, quand, bon, il y a eu très. A combien de films avec des noirs dans, des rôles, dans le rôle principal fabuleux, etc. Bon, moi, je n'en ai pas vu, en tout cas, euh, quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, etc. Moi, la première fois que j'ai vu un film avec des noirs, mais vraiment, c'était un gros. De Marcel Camus. Mais, oui, oui, le film de Camus. Et J'ai dû voir et revoir ce film, je ne sais combien de fois. J'ai La fiche, la fiche. De quoi, de quoi parle ce film Moi, je ne l'ai pas vu. De quoi parle ce film Ah ben c'est c'est le, le mythe d'Orphée, Eurydice, mmh. voilà, C'est ça que qui a été de Cocteau, qui a été transposé justement au Brésil. Et c'est c'était la première fois que je voyais euh, euh, des noirs de toute beauté et qui dansaient, qui chantaient, qui, qui, qui le, leur quotidien. Des gens qui travaillent, des enfants, qui jouent de la, qui jouent de la guitare et, et, et puis qui s'embrassent, qui, qui font l'amour. Voilà. On ne voyait pas ça sur les écrans. C'est à ah mon Dieu, j'ai jamais vu pas ça. Pas uniquement un des film. figures, par exemple, d'esclaves de, ou de voyous. Ou de voleurs, de voleurs. De, de, et même plus loin, de violeurs, de, ou, 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 ou carrément des, le noir qui, qui vraiment, surtout dans les films américains, le noir qui c'est vraiment. C'est la bête, quoi. Est-ce si que c'est vous... encore le cas aujourd'hui ou est-ce que vous trouvez. 40 ans plus tard, euh, je dis 40 ans parce que je prends la date de rue nègre 83, que ça a changé Oui, non, il faut, faut dire les vérités. Heureusement que ça Pour a Pour vous, évolué. ça a changé Mais ça n'a pas, ça pas euh, évolué comme ça, c'est pas tombé du ciel. C'est justement parce qu'il que... y a eu des films comme les vôtres, ou d'autres réalisateurs, que les images ont pu être transformées, les normes interrogées, refabriquées Oui, ça et aussi euh, grâce au, au combat des Noirs américains. Parce que je vais dire que les Noirs en France, euh, même s'ils descendaient dans la rue, ils disaient qu'on ne les entendait pas, c'était quantité négligeable. Les gens restaient sous à leur demande, comme d'habitude. Mais aux États-Unis, c'était c'était pas du tout le même combat, si on veut. Mmh. Euh, mais les, les Noirs américains, ils n'avaient aucun droit. Donc il fallait qu'ils se battent pour arracher ces droits. Et beaucoup de gens ont fait la prison, notamment Angela Davis, tout le monde, la Coupe à Faux, tout le monde s'est embarqué dans la Coupe à Faux pour soutenir le combat d'Angela Davis, des Black Panthers, etc. Donc, et, et puis, il y a eu finalement, ça a abouti à ce qu'on appelle les quotas au niveau de, de, des séries de la télévision. Euh, ce qu'on réfute ici, on m'a souvent interrogé là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des quotas Moi, je dis que, premièrement, je suis contre l'idée des quotas, en ce sens que, faut, pourquoi faut-il des quotas pour quelque chose de normal C'est comme la loi, la loi, la, la parité. Mmh. Et donc, la discrimination positive aussi, mais, ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est ça, mais mmh. pourquoi ça Dans un monde, on est au, au, au 21e siècle. Mmh. Est-ce qu'on a besoin Il y a des choses qui sont tellement logiques. Mais je dis, puisqu'il faut, pour qu'elles soient respectées, mmh. ces choses, et appliquées, il faut des lois. Je suis donc pour ces lois-là. Parce que si demain... On, on, par exemple, une femme, elle est, elle est maltraitée et qu'elle qu subit une situation d'injustice, elle peut avoir recours à cette loi pour se protéger et, et, et faire respecter ses droits. Donc c'est même, j'ai le même raisonnement pour les quotas, parce que c'est humiliant pour moi une société qui doit avoir recours à des quotas. Je, mais je suis pour les quotas. Pourquoi Parce que les États-Unis, les Noirs américains ont, ont, se sont battus pour ça, ils ont gagné, et, mais on les a humiliés au début pour les décourager. Mmh. Ah, vous voulez des noirs okay. Bon, il y a deux blagues là. On fait passer un, un, un facteur comme ça qui voilà. un, se traverse. Est-ce que ce n'est pas le risque aussi en fait des quotas C'est-à-dire que tant que les mentalités à travers justement la production d'images par le cinéma euh, voilà se, se, sont modifiées, les quotas euh, c'est presque insuffisant en fait. C'est juste oui. presque un, 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 un gage, un contrat de dupe, vous voyez ah ben justement, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ceux qui ont créé cette histoire de quota, les mmh. Américains qui ont dit, OK, bon, il y a un quota, on va, on va appliquer, on va vous humilier. Mais les Américains, les Noirs américains, mmh. ils sont très intelligents. Et ils savaient ce qui se passait. Et ils se sont dit, OK, on, on, on fait une femme de ménage qui balaye dans, dans des rôles très, très bon. Il n'y a aucun métier... Plus méprisé. que secondaire. Mmh. Bon, moi, je respecte tous les métiers, quels qu'ils soient. Mais au cinéma, c'était ça. Alors, du coup, ils se sont dit, eh bien... Puisque c'est ça, quel que soit le rôle qu'on va nous donner, comme ça, on va, on va le faire avec tellement de style que les gens ne verront que nous à l'écran. C'était ça. Donc, la, et réflexion, oui. la réflexion. Et puis, regardez ce qui s'est passé. On ne parle plus. Moi, j'ai passé toutes ces années à Hollywood. Je n'ai jamais entendu un producteur dire, ah oui, mais au fait, il y a les quotas. Hein. C'est devenu quelque chose de naturel. Regardez toutes les séries. On ne parle même plus des quotas. Et quand on conçoit une série... Eh bien, des, 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 la diversité est là. Voilà. Les Noirs sont là, ils ont des rôles principaux. Il euh, y a dans les films, pareil. Morgan, Morgan Freeman était mm. même Dieu dans un film. Euh, bon, il y a plein de films où les Noirs, ils sont médecins, avocats, ingénieurs. Dans toutes ces séries américaines, eh bien, on ne parle même plus des quotas. C'est devenu naturel. Et c'est pour ça que je dis que, puisqu'on copie souvent l'Amérique, j'aimerais bien qu'on que, qu crée les quotas, mais pas où ça a commencé, aux États-Unis, mais maintenant où se trouvent les quotas aujourd'hui. Ça veut dire des, des Noirs, euh, mais d'un des rôles positifs. Bien sûr que, quand je dis positif... Mais si ce que vous craignez pas, Ozan si, que qu'on fasse le reproche euh, de se dire, bah, regardez, voilà, vous avez eu euh, un rôle euh, d'une personne noire, positive, voilà, vous avez eu ce que vous voulez. En fait, qu'on se contente de ça, comme pour les quotas. C'est-à-dire de dire, vous avez ça. Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas être dangereux, en fait, de rentrer dans cette logique où on se contente de quelques figures, au, au lieu de quoi, d'ailleurs, je ne sais pas, en fait. Oui, moi, je dirais mm. que ce sont des... Permettez-moi cette expression, mais ce sont des imbéciles qui feraient ça, qui, qui, qui penseraient, oui, d'accord, on, on a rempli notre contrat, ça suffit maintenant. Mm. Moi, je veux bien croire qu'en France, pays des droits de l'homme, pays de culture, de grande culture, qu'on irait... Qu au contraire, et puis le public en demande plus. Quand ils voient par exemple Will Smith ou uh, Eddie Murphy ou uh, 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 Denzel Washington uh, uh, dans un film, ils sont tellement contents, ils sont heureux, ils en redemandent. Donc euh, moi je pense que il faut sinon s'il ne si faut pas. Je vous ai bien dit au départ que je hais l'idée des quotas. Mais si alors moi je préfère qu'on fasse ça plutôt que ce soit mm. le vide. Alors, entre le vide et, et, et le les quotas, je choisis les quotas parce que je sais que ça va nous permettre les gens vont arriver à un stade où ils n'auront même plus besoin de réfléchir au quota. Ça deviendra, comme aux États-Unis, euh, spontané. Ce que nous avons compris, Senghor et moi, c'est l'importance de la culture. Et l'importance des cultures. Parce que jusque-là, nous avions une conception que nous avions. C'est celle qui était transmise par la tradition française. Et la culture, c'était la civilisation. La civilisation, c'était l'Europe. C'était le rationalisme. L'Afrique, c'était la sauvagerie. C'était l'inculture. Et tout le reste, mais pas du tout. Nous avons appris ce que c'est que, que la culture, l'expression du génie d'un peuple. Tout ce que les hommes ont inventé pour rendre la vie vivable et la mort affrontable, ben c'est ça la culture. Mais c'est ça que nous avons appris. Ben oui, mais oui, les, les Européens ont trouvé inventé des choses, les Égyptiens en ont inventé d'autres, les Grecs en ont inventé, Mais les Nègres aussi, ils en ont inventé. Alors, bon, nous avons pensé qu'il y avait une culture africaine, et moi j'ai pensé qu'il y avait une culture antillaise. Mais cette culture antillaise, il fallait l'exprimer, il fallait lui donner forme, euh, et en l'exprimant, l'amener, si vous voulez, à l'universalité. Nous n'avons jamais voulu nous enfermer dans... Une sorte de citadelle qui serait notre moi. Nous sommes des humanistes. Nous avons eu une formation humaniste et ça nous a aidé à passer à l'universel. Vous êtes d'accord avec tout ce que vous avez entendu, Zane Palsy C'était aimer Césaire. Vous hochiez la tête à chaque déclaration. mais je me suis nourrie de cela. Je veux dire que c'était mon père spirituel, Césaire. Vraiment, c'est pour ça que je lui ai consacré cette trilogie, c'est-à-dire un extrait. De la trilogie justement que j'ai réalisée. Est-ce que vous vous sentez, Özcan Balsi, comme euh, le dit Aimé Césaire, vous aussi euh, une chef de file de ce qu'il appelle donc la culture antillaise Chef de file, non, je, je, non. Ou partie je... prenante ou... Non, je suis né dedans. Je, je suis. Je... Est-ce depuis... que, imp... Est que ça vous importe de le dire ou de le revendiquer Moi, je le, je me bats et je crée, je fais. Donc, et évidemment, quand, euh, quand on me pose des questions ou que je sens qu'on bafoue cette culture, qu'on dit « oui, mais ça mmh. n'existe pas » ou que « oui, mais c'est quoi la culture anti vous êtes français, point barre », là, je monte au créneau. Je dis « non, <laughs> je suis désolé Parce que quand je suis née, je, mes premiers mots, ce n'étaient pas des mots… Euh, où les premières berceuses que j'ai entendues quand, en venant au monde, c'étaient des berceuses euh, qui venaient d'une culture qui est là profondément, une culture… Antillaise. Et le problème, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce qu'on parle de culture antillaise qu'on justement qu'on exclut qui que ce soit. C'est là où c'est universel. C'est ça que c'était absolument universel. C'est ça. Et c'est pourquoi je dis que ce qui me plaît chez Césaire, que c'est un humaniste. Et, et, et il disait d'ailleurs, je vais essayer de retrouver ce qu'il disait souvent. Il disait qu'il y a deux manières de se perdre dans dans, dans en euh, mouvement dans dans le particulier quoi, oui. obstiné dans le particulier ou dans, par dilution dans l'universel. Ça veut dire qu'il faut trouver le juste milieu entre les deux. Allez-y, pardon. pardon allez justement, les débats actuels euh, qui peut y avoir entre des revendications liées à l'identité, euh, le fait de dire, voilà, de, de rappeler d'où on vient, de dire à quel genre on appartient, de quelle couleur est notre peau, avec ces revendications universalistes, est-ce que vous, vous arrivez à trouver ce juste milieu dont Césaire parlait Oui, parce que c'est Franchement, lorsque vous avez passé votre petite enfance, ensuite votre adolescence, et à entendre que, oui, nos ancêtres sont des Gaulois, vous avez appris tout ça à l'école, mais en, 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 on, on occulte totalement le reste et le fondamental. Ça veut dire que tout enfant a besoin de savoir qui est mon père, qui est ma mère. Ah bon, mais euh, d'où je viens Si vous ne savez pas qui vous êtes... D'où vous venez du moins vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes et c'est fondamental pour l'être humain je suis désolé euh, si moi je pense que c'est ce qui vous fonde c'est ce qui vous permet de voir le monde euh, avec euh, toutes ses richesses et, de, et vous avez votre place et, et de contribuer à l'évolution du monde d'apporter justement votre culture donc mais quand on vous on, on, on occulte tout ça et on vous remplit la tête d'autre chose, on vous reprogramme, mais en, en vous amenant à mépriser cette culture. Parce que moi, j'ai vécu cela. La, à l'école, il y avait une carte créole. On nous interdisait de parler le créole. La carte créole, c'était un, un rectangle en bois marqué carte créole. Et l'élève de service, euh, chaque semaine, l'élève de service avait cette carte de créole. Okay Et il, il espionnait tous ses, les copains de sa classe le, lors de, de, des moments de récréation pour. pour Savoir qui parle créole. Et si, par exemple, moi, il me suis pas en train de parler créole, il me lâche la carte. Et moi, je dois me démerder à jouer au flic pareil, parce que si le, le vendredi soir, vous vous retrouvez avec la carte, vous étiez puni et vous deviez aller le samedi en punition pour écrire bêtement, 100 fois, je ne dois pas parler créole. On vous dirait d'écrire un poème ou faire autre chose. Je dis, OK, au moins, c'est bien. Mais pour écrire 100 fois, je ne dois pas parler créole. C'était ça. Alors moi, je, je vous assure que très tôt, j'ai, je me suis révolté contre tout ça. Je dis mais c'est ridicule, c'est ridicule. Et moi, j'ai besoin de savoir d'où je viens, qui je suis. Pas pour exclure. Moi, je dis souvent que ma culture, elle est plurielle. Vous me regardez et vous voyez tout de suite qui je suis, les différentes composantes de, 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 de mon être, les différentes. Voilà. Donc, euh, je ne suis, je ne rejette au je, mon métissage, il est pluriel, personnellement, comme pour beaucoup d'antillais. J'assume tous mes métissages, mais j'ai toujours dit que celui qui m'émeut le plus, qui est vraiment le plus cher à mon cœur, c'est mon métissage africain, parce que c'est le plus méprisé, foulé aux pieds. Voilà. Merci beaucoup, Eusanne Palsy. De vous, on peut donc voir la rétrospective Eusanne Palsy. Itinéraire d'une pionnière, c'est à partir de demain, le 8 novembre, et jusqu'au 19 novembre, au centre Georges Pompidou. J'en profite aussi pour signaler que du 10 au 12 novembre, le centre Georges Pompidou reviendra sur la marche pour l'égalité contre le racisme. Et pour finir, vous avez le choix, Eusanne Palsy, entre deux chansons que nous avons sélectionnées. Soit on peut écouter une chanson sur Rivière Salée, c'est là où commence le film Rue nègre ou une chanson sur Fort-de-France, là où se finit le film Rue Cazenegre choisissez laquelle des deux. Fraude de foince. <laughs> et Pierre, vous avez reconnu Eusanne Palsier et qui chante Berlioz, l'opéra Béatrice et Bénédicte. Merci encore à vous. Merci à l'équipe des Midi de Culture préparée par Elisa Touendoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutache-Pérez et Manon de la Réalisation Nicolas Berger, prise de son Anthony Thomasson. Pour écouter cette émission, et eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Midi de Culture et sur l'application Radio France.